Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier de cuisine zéro déchet. Tout d'abord, je tiens à remercier la MTE d'avoir organisé ce bel événement. Voilà, je me présente donc Elisa. Je suis la fondatrice de la plateforme locale anti-gaspillage déjà bien implantée sur le territoire monégasque et postdoorwasting.com et aussi naturopathe et coach en cuisine zéro déchet. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, nous n'avons aucune prétention de devenir des chefs. Moi-même, je ne le suis pas. Donc, on va tout simplement ensemble, ce que, à toi, enfin, cuisiner ce que toi, on a tendance à considérer comme déchets. Donc, vous avez dû tous recevoir par mail deux recettes. La première de plat et la deuxième de boisson. Donc, pour cette première, je vous propose une recette de saison, saine, végane, sans gluten, voilà, équilibrée. Donc ça c'est pour la question du plat. Et ensuite pour la recette de boisson, nous allons cuisiner, enfin plutôt préparer, une boisson santé, considérée vraiment comme un soigne-tout et un puissant détoxifiant. Et nous allons bientôt découvrir pourquoi elle est considérée ainsi. Bien, voilà, alors si vous voulez bien, on peut démarrer la recette. Donc, si vous voulez déjà prendre les ingrédients, est-ce que vous les avez déjà avec vous? Vous les avez déjà pesés? Y a quelqu'un? Oui, juste, excuse-moi, Elisa. J'avais coupé le son de façon à ce qu'il n'y ait pas des échos. Donc, moi, ce que je propose à ce moment-là, c'est que si jamais il y a une question, quelque chose, vous me le fassiez savoir via le chat qui est donc sur en haut à droite. Et moi, je le transmettrai, je te le transmettrai à ce moment-là. C'est vrai que pour éviter qu'il y ait des bruits de fond, j'ai volontairement coupé le son. Voilà. D'accord, par contre, j'ai pas accès à la chat. Ça fait rien, de toute façon, on va Bon, à ce communiquer. moment-là, je te le dirai, ce sera plus simple. À ce moment-là, voilà, je prendrai la main. Je vois qu'on, voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut passer à la recette, à la première recette? Oui, tout à fait. Voilà, alors c'est les cannelloni au verre de poireau. Donc, on jette plus le verre de poireau. Ils sont si bons en cannelloni. Voilà, on va récupérer les trois poireaux. Voilà, on va couper juste le verre. La partie la blanche, vous en faites ce que vous voulez. Il y a plein de recettes pour cuisiner la partie blanche. Là, maintenant, on va vraiment se concentrer sur la partie sur le verre. Donc, le déchets. Donc, vous prenez un couteau et on va couper encore une fois juste le verre. On le passe sous l'eau froide, on nettoie pour enlever, enfin, s'il y a de la terre, on nettoie ça avec de l'eau tout simplement. Et ensuite, vous allez couper les parties vraiment les plus abîmées, les plus sèches. Voilà, on ne va pas utiliser ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, et ensuite, vous allumez votre plaque à induction, enfin, ce que vous avez. Et pour pouvoir plonger les verres de poireaux dans de l'eau chaude salée. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. Merci.
Maintenant que l'eau bout, eh bien, on va mettre donc les verres de poireaux dans de l'eau, enfin dans la casserole. Faites attention à ne pas vous brûler. Voilà. Et on les laisse blanchir pendant une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps, on s'attaque au quinoa. Alors, j'ai choisi le quinoa, on va voir pourquoi, mais c'est une recette, bien sûr, zéro déchet, mais anti-gaspi. Alors, c'est-à-dire que si, par exemple, la prochaine fois, vous avez du riz ou des pâtes, eh bien, vous utiliserez les 100 grammes de riz ou des pâtes qui vous restent. Donc, moi, j'ai pesé les 100 grammes de quinoa. Voilà, on va les mettre dans la casserole, tout simplement. On va rajouter deux verres d'eau, voilà, à peu près c'est ça, plus ou moins. Et on va faire également cuire le quinoa. Très bien. Maintenant qu'on a mis les verres de poireau à blanchir et le quinoa à cuire, on s'attaque aux champignons. Maintenant, on prend les petits champignons blancs de Paris. On les passe rapidement sous l'eau pour enlever toujours l'excédent de terre. Maintenant qu'on a rincé nos champignons, on va les couper grossièrement. Hein. Ne vous prenez pas la tête à couper parfaitement les champignons. Pourquoi? Parce que après, une fois cuits, on va les passer au mixeur, rapidement au mixeur. Oui, éventuellement, vous pouvez déjà prendre la casserole. La poêle, pardon. Juste, Elisa, oui. Il y a une dame qui me demande d'aller un tout petit peu plus lentement, voilà, juste pour pouvoir suivre. Voilà. D'accord, ok. Donc, je répète alors, on va faire blanchir les verres de poireau une vingtaine de minutes dans de l'eau chaude avec un peu de sel. Voilà. Ensuite, on a mis le quinoa. Le quinoa, il faut le faire cuire pareil une vingtaine de minutes. On va baisser un peu. Hop. Les champignons de Paris, alors, on les a rincés à l'eau pour enlever la terre. Et une fois que vous avez donc, enfin qu'on les a rincés, on va les couper, encore une fois, grossièrement, parce qu'on n'a pas besoin d'être précis, on va les passer au mixeur. On a pris une poêle pour faire cuire nos champignons, donc on va y rajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Et voilà. Et on va s'attaquer aux champignons, à émincer les champignons. Il en 20, donc une vingtaine de minutes, voilà.
Voilà, essayez de couper les champignons. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais essayez de couper les champignons de cette taille. Vous voyez, pas trop grand, pas trop petit, mais pas parfait non plus. On va s'attaquer aux 10. Ça cuit super. Ça prend du temps de couper les champignons, hein. Super. Allez, les deux derniers pour moi. Écoutez, il y a encore, il y a des personnes qui s'étaient inscrites et qui ne sont pas venues. De toute façon, nous laisserons la vidéo sur le site de la mission pour la transition énergétique. Elle pourra être comme cela, visionnée à volonté. D'accord, très bien. Et est-ce que les gens qui sont là, enfin pour les gens qui sont là, tout va bien? Ils sont à quel point? Au niveau des champignons? Ils ont déjà mis les champignons dans la poêle parce qu'il faut. Alors les champignons, c'est pareil. Il faut, je pense, les faire cuire entre 10 et 15 minutes parce que il faut les faire vraiment suer à ce qu'ils soient bien tendres. Donc voilà, pour ma part, le quinoa, il n'est pas encore cuit, alors que les verres de poireaux, ça commence à être bon. Alors, on me dit oui, j'ai une réponse. On m'a dit que ça allait. Ça allait? Voilà. Super. Pour... Alors, les champignons, on laisse là. Si vous voulez rajouter du sel, alors, voilà, le sel. Depuis que j'ai eu mes enfants, en fait, j'oublie tout le temps le sel parce que dans leur préparation, enfin, je cuisine sans sel pour elles. Du coup, j'oublie d'en mettre. Voilà, j'oublie d'en mettre tout le temps.
Donc, si vous voulez mettre du sel dans le quinoa, vous pouvez. Pareil pour les champignons, vous pouvez. Là, en l'occurrence, on va mettre un tout petit peu dans les champignons, comme ça, ils vont suer un peu plus vite. Non, mais pas beaucoup, mais quand même. Voilà, un peu de céleri. Non traité, bio, très important pour éviter les conservateurs inutiles. Et voilà, là, ça prend forme. Je baisse juste le feu parce que là, ça va un peu trop vite. Le quinoa, il est toujours pas bon. Et le vert, ça peut aller. Ça peut aller. Oui, je dirais encore 3 minutes. Voilà, alors, et si on parlait des bienfaits, par exemple, de tout ce que l'on va manger, c'est intéressant de savoir que, bien sûr, il est important de consommer des fruits et légumes pour le bien-être de notre organisme, mais quand on sait un peu plus dans le détail ce qu'ils nous apportent, c'est toujours un peu mieux. Alors, par exemple, les champignons, il faut savoir que c'est le seul végétal à produire de la vitamine D. Et maintenant, on sait que la vitamine D, enfin, on le sait depuis toujours, mais maintenant, on en parle plus parce qu'à cause du Covid, ils nous disent tout le temps qu'il faut augmenter le système immunitaire, etc., etc. Donc, sachez que le champignon, il a une dose élevée de vitamine D, ce qui fait que ça va pouvoir augmenter le bon fonctionnement du système alimentaire. Contrairement à ce qu'on peut penser, il a une dose importante de protéines. Il participe, donc ces nutriments-là participent à renforcer nos os, à un bon maintien aussi de notre peau. Et puis, il est pratiquement sans gras. Et il est composé de pas mal d'eau. Donc, il est fait de 80-90% d'eau. Et il est aussi également très faible en calories. C'est-à-dire qu'on a 30 calories par 100 grammes en moyenne de produits. Donc, si vous souhaitez, par exemple, perdre du poids, eh bien, c'est le légume qu'il faut privilégier dans ce cas. Et ensuite, là, ça va, et ça commence à bien couler, c'est assez rapide finalement. Voilà. Pour les champignons, je dis encore 5 minutes. Voilà. Et pour le quinoa. Pardon? Vous allez rouler quelque chose, non? Ça va rouler déjà le Ah oui, mais c'est dans. plus. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Oui. C'est dans 10 minutes. On va rouler les champignons, pardon, les cannelloni dans environ 10 minutes. Alors, le quinoa, c'est la star des céréales depuis pas mal d'années maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est 2 à 3 fois plus élevé en protéines par rapport aux autres céréales. Et puis, il est en fait, il est précieux, il participe vraiment au bon transit, tout court. Et il est riche en minéraux et en oligo-éléments. Et voilà, il participe également à la prévention de certaines maladies cardiovasculaires, du diabète et de certains cancers. Donc, vraiment, n'hésitez pas à consommer le quinoa parce que vraiment, il est précieux pour le bien-être de notre organisme. Et puis, bien sûr, les poireaux, c'est source de vitamine C. Donc, ils contribuent eux aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. Il est plein d'antioxydants. Et il participe à la formation du collagène. Donc, par exemple, si vous voulez rester avec une peau pleine de collagène, eh bien, il faut consommer plein de poireaux. Voilà, ils sont très, très importants à ce niveau-là pour le maintien d'une peau en bonne santé aussi. Donc là, on va les passer sous l'eau froide.
parce que je pense que c'est le temps est venu pour pouvoir les retirer de l'eau. Vous me dites, Catherine, si je vais trop vite. Écoutez, je n'ai pas eu d'autres commentaires. Moi, je pense Donc, que là, c'est bon. c'est bon. Je pense que là, c'est bon, oui. Oui, parce qu'après, si on les fait cuire trop longtemps, en fait, ça, ils vont se friter, entre guillemets. Donc, il faut que quand même, ils gardent une consistance pour pouvoir faire en sorte à ce que on roule, qu'on puisse rouler les cannelloni, enfin, les barres de poivre pour en faire des cannelloni. Donc, je pense que là, c'est bon. Alors. On va prendre l'égouttoir. Ah, y a quelqu'un qui me dit que pour elle, elle a encore 5-10 minutes pour bon, le poireau et le quinoa. Encore. De Voilà. soucis. Moi aussi, je suis. J'attends le quinoa aussi parce que lui, il ne veut pas cuire en fait. Il est feignant aujourd'hui, le quinoa, il ne veut pas cuire. Alors que le champignon, ça va super vite et les dents de poireau aussi, finalement. Mais on attend tout le monde, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. Vous me dites, voilà, vous me dites, Catherine, si je vais trop vite, encore une fois. Moi, par contre, j'enlève les poireaux parce que sinon, ils vont cuire trop vite. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Ça, c'est génial. Mais par contre, il faut que je prenne un bol. Alors, ce qu'on va faire, c'est très génial. En fait, on va pouvoir récupérer l'eau de cuisson des vers de poireaux. Pourquoi? Parce que, alors, attention, là, on a mis du sel. Donc, on ne peut pas réutiliser l'eau une fois qu'elle est froide pour arroser nos plantes. Pourquoi? Parce qu'il y a du sel. Alors, le sel va tuer les plantes. Donc, on ne va pas utiliser dans ce cas-là parce que, encore une fois, il y a du sel dedans. Mais par contre, on peut récupérer l'eau parce qu'elle sera riche en vitamines, en oligo-éléments et en minéraux pour pouvoir en faire. Enfin, en fait, ce sera notre bouillon pour ce soir, par exemple, si on veut faire un risotto. Tout simplement. Donc, ne jamais gâcher l'eau non plus parce que c'est un produit qui n'est pas inépuisable. Donc, on va en prendre soin aussi. Et si vous avez des plantes, la prochaine fois, n'utilisez pas le sel. Comme ça, vous pouvez réutiliser l'eau pour arroser vos plantes. Voilà. J'y vais, hein, attention. C'est pas mal de donc. Je peux faire plusieurs risottos. Alors. Et on va prendre notre bol. C'est la réglisseur, Ça, c'est pas mal. Ben, alors, il y a le caméraman de Monaco Info qui dit une chose, mais fantastique, parce que c'est bien vrai, c'est que même l'eau de la cuisson du riz, elle peut être revalorisée. Donc, en fait, voilà, s'il vous reste de l'eau, vous pouvez la réutiliser soit pour la boire et ce sera, enfin, ça aidera par exemple des blessures gastriques et ou sinon bien vous pouvez la utiliser soit en démaquillant, enfin plutôt comme tonique pour la peau ou bien rincer une fois que vous avez fait votre shampoing, vous rincez vos cheveux avec ben, l'eau de riz. Donc c'est précieux. Tout ce qu'on a, tout ce que la terre nous donne, en fait, c'est précieux. Mais il ne faut pas la gâcher. Ah, mon Dieu, je suis brûlée. Non, ça va. Hop. Merci pour ces conseils, Elisa. Mais de rien, avec plaisir. Voilà, on récupère le tout petit dernier. Hop. Ça, on le met de côté. Ce n'est pas pour maintenant. On n'en a pas besoin. Et là, pour stopper la cuisson, on va les passer sous l'eau froide. Non.
Soyez délicat avec vos verres de poireau, hein, parce qu'ils sont quand même assez fragiles et comme on doit les utiliser en entier, il faut être délicat lorsque les manipule. Voilà. Parfait. Eh bien, maintenant, Catherine, tout le monde est là? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, Elisa. Tout le monde va bien, parfait. Je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à me faire savoir si jamais il y a un petit à souci. À quel point sont les gens au niveau des cuissons? Dites-moi. Faites-le-moi savoir. Ils ont terminé les cuissons, notamment des verres de poireaux et du quinoa ou toujours pas? Je n'ai pas encore l'info. Si tout le monde a terminé, on peut procéder à enrouler les cannellonis. Oui, on peut procéder, oui. Enfin, si tout le monde est prêt, on attend. Francine, 5 minutes et sinon il y a Valéria qui me dit que les poireaux c'est fait. Ah d'accord, c'est très bien. Et Francine alors, me dit encore 5 minutes. D'accord, alors en attendant, je vais juste déplacer les bols d'eau chaude. Et apparemment, le quinoa est un peu long pour Valéria également. On attend, pas de souci. On attend tout le monde et quand tout le monde est prêt, on va pouvoir passer à appeler les Calédonies. Parfait. Ça, c'est chaud. I say thank you. Ok, merci. Je vous en prie. C'est pour moi. Merci. Merci à vous. J'enlève juste mes bols. Hein. J'arrive tout de suite. Hein. Voilà, parce que forcément que j'enlève les bols, sinon il va y avoir un accident. Voilà. Ça, c'est super. Voilà. Alors, on va pouvoir, si vous voulez, en attendant toujours les cannellonis, les verres de poireaux qui cuisent, et pour certains, et le quinoa, on va mixer les champignons. Voilà. Il ne faut pas que ça devienne une pâte, il faut juste les mixer parce qu'en fait, les champignons, ce sera la farce avec le quinoa. Donc, il faut quand même un peu de consistance, un peu de mâche. Voilà. Donc, on va mettre les champignons comme ça, qui ont bien sué. Ils sont bien cuits. Oui. Voilà. On va les mettre. Alors, moi, tout simplement, j'ai un bol mixeur. On va insérer dans le mixeur les champignons. Essayez de ne pas mettre trop d'eau de cuisson des champignons. Voilà. Moi, j'adore les champignons. Pareil. Alors, que ça soit, que vous les consommiez crus ou cuits, sachez que les nutriments, ils seront toujours là pour vous faire du bien. Donc, l'important, c'est de ne pas trop excéder, comme pour tout aliment, en fait, dans la puissance de la cuisson, en fait. Mais si vous gardez un feu moyen, ou en tout cas si vous avez, par exemple, la cuisson en vapeur, n'excédez jamais les 100 degrés. Parce que c'est à 100 degrés, en fait, vous avez encore tous les nutriments, donc vous allez bénéficier des bienfaits, hein, tout court.
Alors que si vous excédez dans la puissance de la cuisson, et bien là, vous risquez de perdre tout. Et en fait, vous mangez pour manger, mais il n'y a pas de, il n'y a plus de bienfait pour l'organisme. Bon, et on passe à l'étape du mixage des, enfin mixage, je ne sais pas si on dit mixage. On va mixer les champignons, voilà. Pas trop, hein. Donc déjà moi, je vais voir si j'ai bien fait. Alors, une petite spatule, voire silicone, ce que vous voulez, peu importe. Alors, je vais venir vous montrer. Je dirais encore pour ma part. Alors, attendez, je vais vous montrer. En fait, là, comme ça, voilà, il faut mixer encore un tout petit peu. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a encore des gros morceaux. Donc, il faut qu'on mixe encore un tout petit peu. Sinon, après, mis à part les gros morceaux là qu'il y a, ben, c'est la bonne consistance. Donc, on va faire rapidement encore un passage au mixeur. Stop. Je pense que c'est bon. C'est rapide. C'est rapide, oui. C'est une belle machine. Ouais. Voilà, là c'est parfait. Ouais, magnifique. Parce que si vous mixez trop, en fait, après ça fait pâteux et c'est pas du tout ça qu'il faut avoir en bouche. Même si le quinoa, enfin là, cette petite graine-là, elle est assez croquante, ça reste assez croquant en bouche, mais voilà, il faut qu'il y ait y a tout. Il faut avoir la bonne consistance. Voilà. Je vous montre. Alors, voyons voir, parfait. Là, c'est parfait. Voyez, enfin, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà, c'est homogène. Voilà, il n'y a plus de gros morceaux, c'est vraiment homogène. Voilà. Si, c'est clair. Merci, Elisa. C'est parfait. Voilà. Et maintenant, pour éviter d'avoir trop de bols à laver après, on va se contenter de prendre la casserole ou le quinoa à cuire. Elisa, j'ai une question de Francine qui demande si le poireau doit être vraiment blanc ou proche parce que pour eux, il blanchit, mais peu, même après 15-20 minutes. Est-ce que c'est normal? Non, alors en fait, il faut qu'il soit cuit tout simplement. Il faut que le verre soit cuit, soit tendre en fait. Alors, je vous montre comment ça doit être, comme ça. Vous le voyez bien là? Est-ce que vous voilà. Vous voyez? Oui, oui. Elle a mis. Oui. Francine nous a répondu que c'était parfait. Très bien. Ah, mais c'est pas. Parce qu'en fait, oui, on dit blanchir par le fait de cuire. En fait, il faut vraiment que le verre devienne tendre, comme ça. Et après, bien sûr, il blanchit un tout petit peu, mais c'est vraiment une question de cuisson. Merci bien. C'est pas grave. Eh bien, maintenant, voilà. Alors, pour éviter après de devoir laver trop de bols, on va prendre la casserole où il y a le quinoa et on va y mettre les champignons. Voilà, on récupère bien. Voilà. Parfait. Et là, on mélange tout simplement. Voilà, on mélange. Voilà. Voilà, on mélange le quinoa avec le champignon. Le champignon cuit, qui ont bien cuit, c'est parfait, mixé.
Et là, on va pouvoir rajouter, enfin, l'assaisonner, donc voilà, le sel, si vous voulez. Moi, je vous le conseille par contre pour cette recette, parce que sinon, ça risque d'être un peu fade. Et après, moi, j'ai un mélange de 5B, donc c'est du poivre en fait, tout simplement. Plusieurs sortes de poivre, donc on va assaisonner. Voilà, le sel. Voilà. Parfait. Limite un peu plus. Un peu trop. Voilà. Je pense que là, c'est suffisant. Deux grosses, enfin, deux pincées de sel, c'est bien. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Et maintenant, on va rajouter le persil parce que, bon, ben déjà, le persil, ça se marie super bien avec le champignon. Donc, déjà, rien que pour ça. Et ça donne vraiment le goût un peu frais. Et puis, le persil contient beaucoup de vitamine C aussi. Donc, c'est toujours pareil. Là, on va prendre soin de nous. C'est une recette vraiment qui aide notre organisme à mieux supporter, on va dire. Et voilà, donc on va rajouter du persil. Bon, moi je prends. Ils sont plus là. Si vous avez des ciseaux, sinon. Ah, ben, bien beaucoup. Voilà, donc on va prendre le persil et. Moi, je coupe le persil avec des ciseaux, c'est plus simple. Alors, surtout, ne jamais mixer le persil. Pourquoi? Parce que, en fait, l'acier, enfin, le persil se marie vraiment pas bien avec l'acier et le métal. Donc, je sais pas, ils disent que ça perd de la vitamine C, donc, tout simplement. Donc, moi, j'évite d'utiliser, même si les ciseaux sont comme ça, mais c'est le fait de le mixer, en fait. C'est le fait de le mixer que ça enlève les bons nutriments. Voilà. Ça sent bon. Là encore, vous en mettez combien vous en voulez, hein, il n'y a pas de souci. Parfait. Et voilà. Voyez? Chez vous, ça doit être pareil. C'est bien. Après, si vous voulez couper un peu plus, vous le faites, hein, il n'y a pas de problème. Tout le monde est là avec les champignons, enfin avec la farce. Est-ce que la farce est prête? Est-ce que les verres de poireaux sont prêts? Vous les avez tous égouttés? J'ai pas de commentaire, Elisa. D'accord. Ça doit être bon. Pardon? Je dis ça doit être bon puisqu'il n'y a pas de commentaire. On va dire que c'est bon. D'accord. Alors, je passe à l'étape suivante. On va rouler les verres de poireaux. On va faire les cannelloni. Parfait. OK. Eh bien, c'est super. Alors, pour rouler les verres, on va prendre, là on est obligé d'utiliser un élément qui n'est pas très zéro déchet, mais on est obligé parce qu'en fait il faut vraiment qu'on puisse enfin, d'avoir le support pour pouvoir faire les cannelloni et les mettre ensuite dans le congélateur parce que là pour le coup, cette fois-ci uniquement, on va les laisser 10 minutes au congélateur. Et si vous décidez de reproduire cette recette, ce que je souhaite bien sûr, chez vous, enfin, la prochaine fois, eh bien vous les laisserez 30 minutes au réfrigérateur. Voilà. Pourquoi ça? Parce que ça permet en fait aux verres de poireaux, enfin aux cannelloni, de se solidifier. Et ce sera plus simple pour couper et les mettre dans le plat à gratin plus tard. Voilà. Donc on va couper. Alors attendez, je regarde ça. Je pense que comme ça, c'est largement suffisant. Parfait.
Moi, j'ai coupé environ comme ça. C'est bon? Je pense que tout le monde a vu la largeur du film, enfin, pas du film métier, mais du papier sulfurisé plutôt. Voilà. Parfait. Parfait. Ok. Alors, les verbes de poireau, les fameux verbes de poireau, la stat de la recette. Et là, j'espère que waouh, vous allez me voir. Non, pas beaucoup en réalité. Ah, il faut peut-être incliner, si c'est possible, la caméra pour qu'on puisse voir le plan. Ah, parfait, super, merci beaucoup. C'est très bien comme ça. Ah, elle est revenue un tout petit peu. Non, mais on met le vis de papier en dessous pour. Ouais. On va glisser un papier pour pouvoir le surélever. Ah. Ah oui, okay, parfait. Ouais, très bien. Il ne faut pas éternuer. Hein. C'est très, très bien. Là, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Parfait. Okay. Alors, maintenant que vous voyez. Parfait, ouais. Alors, petit à petit, nous allons prendre les verres de poireau. Voilà. On les ouvre. Si c'est des gros morceaux, on va dire, on les ouvre. Et on va les poser, en fait, comme un lit de poireau. Voilà. On va les superposer les uns sur les autres pour en faire un lit de poireau. Donc, on pose le premier et ensuite le deuxième, pareil. On l'ouvre délicatement. Après, même si ça se casse, c'est pas bien grave. De toute façon, on va les superposer. Voilà. Donc, je les ai ouverts comme ça. On voit bien. Merci, Elisa. Super. Et en fait, on le superpose sur le premier. Donc, et ainsi de suite. On va les superposer les uns sur les autres. Petit à petit, on va construire notre lit de poireaux. Pareil, voilà, je l'ouvre et je le mets sur le deuxième. Et ensuite, très voilà. Bien. Alors, si vous on les intercale un tout petit peu, c'est ça? On les intercale au fur et à mesure. On laisse quoi? Un centimètre, deux centimètres, un centimètre à peu près. Alors, attendez, je vais vous montrer. Parce que c'est important, ce passage-là, franchement, il est crucial. Voyez? Donc, en fait, ça. Ah, très bien. Je l'ai posé sur celui d'avant et ainsi de suite. Là, très bien, exemple, c'est clair. Là, par exemple, attendez, hein, si j'arrive à le faire là devant vous. Attendez, hop. Là, ben, je l'ouvre. Comme ça. Super. Et ensuite, je vais le faire devant vous pour que vous puissiez bien voir comment il faut procéder. Et en fait, voilà, on le met. Vous voyez comme c'est ça. C'est très clair, merci. Oui, oui, c'est super. On voit bien là. Ouais. Là. En fait, là, les uns sur les autres. Un rang parfait. De poireaux. Voilà. Merci et bien. Après, c'est très clair, Elisa. Merci beaucoup. Après, s'il y a des petites des parties qui sont manquantes, on va tout simplement les rajouter avec un autre petit morceau de verre de poireau. Hein. Voilà. Après, c'est très simple. Une fois que vous le faites, après, c'est rapide. Donc, on ouvre et on superpose comme ça. Voilà, on ouvre et on superpose. Voilà. Mmh.
On fait comme ça et on continue jusqu'à la fin. Après, vous pouvez faire autant de cannelloni que vous voulez dans le sens où là, par exemple, on en a vraiment beaucoup. On a beaucoup de verres et il y a pas mal de farce. Donc, soit vous faites deux fois, enfin, c'est-à-dire vous prenez encore un morceau de papier sulfurisé et vous continuez. Et voilà, comme ça, vous pouvez avoir pratiquement quatre cannelloni. Parce que là, il y en aura un qui sera grand comme ça à peu près. Très Ensuite, bien. on va le couper à moitié. On va le mettre dans le plat qui allant au four. Et donc, ce sera deux cannelloni. Donc, soit deux pour quatre personnes qui ne mangent pas beaucoup, ou soit deux pour deux personnes qui mangent beaucoup. Voilà. Tout dépend de votre appétit. Si vous êtes des bons mangeurs ou pas. Voilà. On a presque terminé. En tout cas, moi, j'ai presque terminé mon lit de poireaux. Alors, après, vous voyez, par exemple, là, je force pas. Celui-là, j'arrive pas trop à l'ouvrir, mais c'est pas grave. Même s'il est tout fin comme ça, c'est pas grave. Je le mets quand même sur l'autre. D'accord? Donc, j'en rajoute, en fait. Mais voilà, même s'il est tout fin comme ça, je peux l'utiliser. N'ayez pas peur si vous trouvez que certains ils sont tout bien larges, etc. et d'autres sont tout fins. C'est pas grave. Vous verrez que quand on va enrouler, l'effet sera quand même super joli. L'important, c'est que même avec les fins, vous les superposiez aux autres, hein. C'est vraiment la base, la règle pour la réussite. Sinon, ça va pas le faire. Celui-là, je peux l'ouvrir, donc je peux le mettre voilà bien large. Et je pense que j'en fais encore deux et après voilà, je fais les parties manquantes. Et là, c'est bon. Voilà, maintenant, en fait, j'ai des parties, si vous voulez, qui sont, vous aussi sûrement, vous avez des parties qui sont manquantes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous récupérez les verres qui vous restent et vous les utilisez pour combler, voilà, ces parties qui sont manquantes. D'accord? D'accord. Merci. Voilà, alors celui-là, eh ben, on n'hésite pas, hein, on coupe de façon à combler les parties. Voilà. Parfait. Là aussi. Est-ce que ça vous inspire comme recette? Pas d'amour, hein. Pas non, mais je veux dire. Moi, beaucoup en tout cas. Bon, tant mieux. C'est délicieux, vraiment, c'est délicieux. Et on se demande, mais pourquoi on jetait les verres de poireaux? Ou pourquoi on faisait toujours des soupes avec les verres de poireaux? Parce qu'en général, si vraiment on utilise cette partie, quand on ne sait pas, on fait la soupe, mais c'est, enfin, le goût, en tout cas, il est particulier, hein, parce qu'on dirait un peu comme de l'oignon, et c'est pas super agréable, hein, c'est assez fort, moi je trouve. Alors que là, comme ça, avec le mélange des saveurs, moi j'adore. Voilà. Bon, allez, on le laisse. Bon, moi j'ai quand même avancé pas mal de verres, un peu moins que la moitié du bol. OK. Et après, je les utiliserai soit pour une quiche, soit pour refaire des cannelloni. Voilà, il y a plein de possibilités aussi. Je pense que tout le monde est prêt pour pouvoir mettre la farce. Voilà, est-ce que vous avez des commentaires sur ça? J'ai pas eu de commentaire, Elisa. D'accord. Merci, c'est bon. Donc, on va. Alors, j'espère que. Est-ce que vous voyez? Oui, voilà. Voilà mon lit. Oui, on voit bien. C'est très bien. Parfait. Oui, parfait. Maintenant, on prend la farce. Voilà, on prend la farce.
Alors, la farce, on va étaler sur cette partie. Donc, en fait, si vous voulez, c'est la partie gauche. Enfin, si on se met comme ça, ce sera la partie gauche contre nous. Voilà, on va étaler donc toute la farce sur toute la longueur, d'accord, des verres. Donc, voilà, ça va faire un beau saucisson, on va dire. Voilà. Donc, on va, n'hésitez pas, hein, soyez généreux. Hein. Voilà. Toute façon, il y en a pas mal là. Hein. Voilà. Donc, côté gauche, sur toute la longueur. Enfin, plutôt sur toute la largeur, pardon, la largeur. Voilà, parfait. Donc, presque terminé. Voilà. Parfait. Jusqu'au bout. Enfin, laissez quand même quelques millimètres par rapport à la fin, parce que sinon, quand on va enrouler, ça va sortir du côté, tout simplement. C'est juste pour ça que je peux en rajouter à la limite. Voilà, encore là. Parfait. Je pense que là, c'est bon. Je me rince les mains et on va procéder à rouler donc, les verres. Excusez-moi, je récupère le torchon pour m'essuyer les mains. Et voilà. Voilà, je vous attends, vous êtes prêts? Oui. Est-ce que tout va bien? Ça a l'air d'aller, Elisa, j'ai pas de commentaires. Super. Bon, Ça a maintenant, l'air c'est... bien appétissant. Ah, si, il y a Francine qui nous demande d'attendre un tout petit peu. Oui. Et Valéria nous dit très bien. Ok, d'accord, Donc parfait. Francine, faites-nous savoir quand vous êtes prête. On attend une petite minute et en tout cas, ça a l'air vraiment sympathique, ce Si, plat. c'est facile de construire un lait, c'est en tout cas plus facile que celui de IKEA. Donc, oui, c'est, non, au final, c'est un tour de main à prendre. C'est un tour de main à prendre, mais c'est le résultat final. C'est vraiment sympa, voilà. C'est vraiment sympa. Sinon, ce que je propose, c'est peut-être commencer tout doucement à rouler comme ça, voilà, D'accord. et que tout le monde puisse. Et puis en allant tout doucement, de toute façon, et puis Francine nous rattrape comme cela. D'accord, ça marche. Parce que je vois que le temps, je vois qu'il est déjà 12h23, alors je ne sais pas le temps dont disposent nos intervenants. Merci Francine, je vois qu'elle me dit pas de souci. Donc voilà, je propose à ce moment-là, Elisa, qu'on commence doucement à rouler Ça marche. les verres de poireaux, voilà, cette Parfait. farce. En tout cas, après, c'est très intuitif, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le saucisson au chocolat, par exemple, ou les sushis. Enfin, voilà, c'est le même principe, hein. Donc, on prend là, comme ça, l'extrémité du papier sulfurisé, comme Très bien. ça. Et avec les doigts, vous voyez mes doigts, j'essaie de garder la farce pour que, bim, elle tombe pas. Donc, je prends les extrémités du papier sulfurisé, je compresse un peu la farce, je la tiens en fait, et hop, voilà. Je la roule, le premier. Ensuite, je fais en sorte de garder, enfin, de maintenir le premier stade. Voilà. Et voilà. Et ensuite... Non, comme ça, hop, voilà. Je la roule une deuxième fois.
toujours avec le papier sulfurisé. Donc, une première fois, on compresse un peu le cannelloni. Et ensuite, une deuxième fois. Et pour la troisième fois, c'est vraiment l'autre côté, en fait. Voilà, la dernière partie, bim, c'est fait. Donc, voilà, vous voyez, le cannelloni est fait. Mais par contre, on va voilà, essayer de le comprimer un peu. Avec la première partie, avec la première partie, on fait comme ça. Donc, on met le papier sulfurisé sur le cannelloni, on roule pour le faire venir vers nous, et voilà, et c'est fini. On ferme. Ça paraît simple comme ça, mais bon, je suppose que ça demande quand même un peu de doigté pour la pratique. Vous voulez que je... Enfin, je ne peux pas le refaire, mais est-ce que vous voulez que j'essaie Non, de ça paraît. Non, non, je pense que c'est très bien, mais c'est vrai que voilà, ça paraît d'une simplicité, mais bon, moi, je suis pas derrière mon fourneau. Je me dis le que pour une première fois, c'est peut-être plus difficile après avec la pratique, mais ça a l'air d'être très très bon en tout Oui. cas. Merci. Donc, je répète rapidement. La première fois, vous gardez les doigts, enfin, au niveau de la farce pour la garder, pour la maintenir. Et vous roulez la première fois, vous roulez une deuxième fois, et la troisième fois, en fait, c'est de l'autre côté du papier sulfurisé qui va venir sur le cannelloni. Et ensuite, on essaie vraiment de le comprimer pour faire en sorte à ce qu'il tient, tout simplement. Donc, maintenant enfin, que le cannelloni est prêt, nous pouvons le mettre au congélateur pendant 10 minutes. Après, voilà, moi je dis pendant 10 minutes parce que je souhaitais le sortir et le couper, le mettre au four devant vous. Maintenant, si vous n'avez, enfin, si votre congélateur n'est pas assez profond, on va dire, vous pouvez le mettre dans votre réfrigérateur. Mais par contre, il faut le garder 30 minutes. Et ensuite, quand vous le sortez de votre réfrigérateur, il faut le couper à moitié, le mettre dans un plat au four. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez y mettre un peu de gruyère ou d'emmental dessus et le mettre au four, juste le temps que ça chauffe, que ça soit bien chaud et que le fromage fond, en fait, si vous voulez. Merci. Merci D'accord, beaucoup, merci. hein. À bientôt. Salut, Merci. ciao, ciao. Au revoir. Merci à toute l'équipe. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, je m'apprête à le mettre dans mon congélateur en faisant Très attention, bien. il est assez long, vous voyez, comme mon congélateur il est assez profond. Maintenant, si le vôtre ne l'est pas, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Parfait. Comme ça va se solidifier, ça sera vraiment beaucoup plus simple pour le couper. Eh bien, je vous laisse 2-3 minutes le temps que je prépare ensuite les ingrédients pour la boisson. De toute façon, la boisson, ça va vraiment très très vite. C'est très rapide. La préparation de la boisson est vraiment très rapide. Mais parce qu'en fait, ce qui est long de la boisson, si vous voulez, c'est le fait de la faire fermenter. Chez vous. Donc, c'est ça qui va. Bien, merci, je vous remercie, je Ah, dois pardon. partir. Ah, Au voilà, merci. Vous pourrez suivre donc le reste de la recette en live. On mettra cette vidéo, pardon, pas en live, mais sur à partir du site de la transition énergétique. Voilà. D'accord, merci, au revoir. Au Au revoir. revoir, Merci. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Francine. Au Au revoir. revoir. Je me dis au revoir Francine, mais je ne sais pas, je peux Ah non, penser. pardon, c'était, excusez-moi, d'accord, j'avais vu, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, je vais commencer par mettre ça. On va sortir tout ce qu'il faut pour la boisson. Les poireaux, on n'en a plus besoin.
Voilà. Et ça, c'est ça pour après. Ça, il nous le faut maintenant. On va le mettre là. Et pour répondre à Francine, oui, nous allons maintenant commencer la boisson. En fait, Elisa prépare le matériel, les ingrédients, et elle vous laisse également, comme cela, 2-3 minutes de préparation. Voilà, pour faire la transition après les poireaux et le quinoa. Exactement. Et là, ce sera un repas 100% zéro déchet, bien sûr, on l'a vu. Mais après, bien sûr que c'est un repas qui est sain, qui vraiment va nous apporter plein de bonnes choses. Et même avec la boisson, déjà, alors en deux mots, comme ça, on attend que les gens terminent avec les cannellonis ou qu'en tout cas ils préparent le matériel, pardon, pour la boisson. En fait, c'est le secret. Enfin, depuis la nuit des temps, en fait, les populations utilisent ce genre de boisson vraiment pour lutter contre les infections, se régénérer, se désaltérer, pour mieux digérer aussi. Et le secret de ces boissons, enfin le secret, le pourquoi ils sont considérés des boissons santé, comme un soigne-tout. C'est parce que ce sont des boissons lacto-fermentées. Donc en fait, c'est la lacto existe vraiment depuis la nuit des temps, hein, tout simplement. Et en fait, que ça soit pour les boissons, que ça soit pour, par exemple, les fruits et légumes, surtout les légumes lacto-fermentés, en fait, les gens, ils utilisaient ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de frigo. Donc c'était leur seul moyen de pouvoir conserver les boissons ou les légumes pendant longtemps. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce genre de boisson, par un phénomène naturel qui se crée de fermentation, en fait, eh bien, ça les aidait, voilà, à mieux digérer, à être en meilleure santé, etc. Et puis, il faut savoir aussi que ce procédé de lactofermentation, en fait, et cela est principalement vrai au sujet des légumes, c'est que ça va, les vitamines augmentent dans les préparations. Donc, en fait, par exemple, si vous avez un chou, je vous fais un exemple, si vous avez un chou cru, enfin, lacto-fermenté, il aura 10 fois plus de vitamine C par rapport à un chou cru ou un chou cuit vapeur. Donc déjà, nous, on pense que manger un chou cru ou vapeur, c'est déjà très bien pour notre santé. Mais en fait, quand il est lactofermenté, là, on va vraiment bénéficier d'une dose élevée de vitamine C et voilà, surtout des probiotiques. Parce que ce phénomène-là, comme je vous le disais tout à l'heure, il participe à la fabrication des probiotiques. Et les probiotiques sont naturels en plus. Ils sont vraiment importants pour notre flore intestinale. Et c'est ce qui... Et d'ailleurs, c'est dans la flore intestinale qu'on a le système immunitaire réside. Donc en fait, voilà, une fois qu'on a des probiotiques qui maintiennent notre flore en bonne santé, on aura un système immunitaire qui sera en meilleure santé aussi. Donc voilà la complexité de tout ça, mais que mis en action, en fait, ben c'est très rapide et puis ça fait plaisir de consommer des boissons qu'on fait nous-mêmes. Et puis, qu'on sait que ça nous fait vraiment du bien et que ça n'a rien à voir voilà, avec les boissons sucrées qu'on trouve, même les bio, hein, mais qu'on trouve dans le supermarché. Donc, j'espère que tout le monde est prêt pour commencer la boisson. Alors, moi, je commence par couper la betterave. Donc, oui, on me dit que voilà, tout le monde est bien prêt. Ah, super. Alors, moi, je commence par enlever la peau de la betterave. Voilà.
Voilà. Alors, la betterave, on a tout simplement enlevé la peau, parce que dans ce cas-là, il faut absolument que la betterave n'ait pas la peau. On la coupe soit en deux, alors ça dépend. Si la betterave, c'est une grosse betterave, un peu comme ça, on va dire, vous la coupez en quatre. Si la betterave, elle est petite, voilà, comme la mienne, ben vous la coupez en deux, tout simplement. Donc la betterave, on va la mettre dans notre jar, d'un litre et demi. Pourquoi un litre et demi? C'est parce qu'au moins comme ça, il y a bien la place pour tous les ingrédients, tout simplement. Donc la betterave, vous suivez après par la suite, hein, enfin, ce que vous voulez. Moi, je commence par la betterave, mais si vous voulez commencer par les autres ingrédients, la prochaine fois, il n'y a pas de souci, hein. Après, on prend un petit morceau, allez, on dit ce morceau-là, de pain complet, de pain noir, sec. On le met là. Ensuite, nous prenons, on ne voit pas très bien, mais en fait, c'est tout simplement, c'est les raisins. Voilà, les raisins. 10. Oui. Enfin, c'est 5. 10, mais moi, je préfère 10. Voilà. 10 parce que ça donne... D'accord. Oui, alors, la recette de base, entre guillemets, dit entre 5 et 10. Moi, j'ai marqué 10 parce que je pense que, par rapport à mon goût, je préfère quand même une boisson qui soit, entre guillemets, au moins au goût, un peu plus sucrée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous n'avez pas l'habitude de consommer des boissons fermentées, vous pouvez être surpris la première fois que vous goûtez une boisson comme ça, artisanale, faite maison, lacto-fermentée. Parce qu'en fait, elle peut avoir un goût un peu cidreux, un peu comme du cidre. En fait, ça, c'est les bactéries, c'est les levures, en fait, qui ont travaillé et qui donnent ce goût qui est légèrement, voilà, un peu cidreux. On dit ça comme ça. Ça a le goût un peu de cidre, en fait. Donc, ça peut surprendre. Alors, des fois, on peut se dire, mais est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que je peux la consommer? Parce qu'elle a un goût quand même, un arrière-goût, voilà, que j'ai pas l'habitude. Mais en réalité, oui, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. C'est le procédé des plusieurs aliments qu'on a mis dedans, ce qui va produire la lactofermentation. Et en fait, c'est ça qui va produire nos probiotiques qui sont si essentiels. D'accord. Pourquoi on fait cette boisson? Pour les probiotiques. Voilà. On le fait pour manger, pour boire un aliment qui est vivant. Parce que là, on boit un aliment qui est vivant. Donc, d'ailleurs, je l'ai marqué sur la recette, mais là, vous pouvez consommer cette boisson 10 minutes avant les repas. Une fois par jour, c'est largement suffisant. Et en fait, ça nettoie. Ça nettoie le sang parce que la betterave, elle contient du fer. Donc, ça, un des bénéfices de la betterave, elle est réputée pour nettoyer le sang. Donc, là, vraiment, on est parti sur une boisson qui va nous régénérer les cellules, etc., etc. Donc, il est important de la consommer 10 minutes avant les repas à estomac vide. Voilà, comme ça, elle va être digérée elle seule. Notre énergie, enfin, comment dire, l'énergie vitale de notre organisme, elle va être concentrée sur la digestion, en fait, de cette boisson. Comme ça, l'organisme va pouvoir récupérer tous les nutriments, les micronutriments, les micro-organismes dont il a besoin pour les bénéfices, hein, pour apporter du bénéfice. Donc, voilà, j'y vais mettre ça. Hop. Merci pour tous ces conseils. C'est avec plaisir. C'est important, je pense, de savoir pourquoi on le fait et tous les bénéfices et les bienfaits, parce que comme ça, on a envie davantage de le reproduire après, même après l'atelier. Parce que le but, c'est, bon, on a acheté même déjà la jarre en verre, on a acheté la bouteille en verre. Donc voilà, on est parti pour ce que les gens qui ont suivi l'atelier et tous les autres, en fait, puissent reproduire chez soi, enfin, tout seul, ce genre de boisson et les consommer. Donc là, on a une cuillère à café de levure. En fait, c'est la levure sèche, la levure de bière, mais sèche. Voilà.
Donc, si vous voyez, mais hop, là. Et moi, après là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre complet. Vous aurez pu utiliser le sucre roux, par exemple, mais je préfère le complet parce qu'il y a plus d'oligo-éléments et de minéraux. Au moins, il n'a pas été trop traité. Voilà. Donc, on va le mettre là. Après, je vous dis, une fois, en fait, le sucre sert pour la transformation des bactéries, en fait. Ça sert les glucides, le sucre, etc. Ils vont agir. Donc, soyez rassurés, il n'y aura plus de sucre après la fermentation. Ou en tout cas, il y en aura très, très, très peu. Donc, même les diabétiques, normalement, ils peuvent consommer ces boissons-là. Après, bien sûr, si vous avez des doutes, si vous êtes diabétique et vous avez des doutes, consultez d'abord votre médecin. Ce sera lui à vous dire, oui, vous pouvez sans souci. Mais sur le principe, même les diabétiques pourraient en consommer parce que le sucre, il est tellement transformé, il a tellement été mangé, en fait, par les bactéries, que du coup, il n'y a plus, après la fermentation, il n'y a plus de sucre. Par contre, il y a un taux qui est assez bas, de 1% d'alcool. Voilà, c'est le fait de la fermentation, ça donne à peu près 1% d'alcool. Voilà. Maintenant, on finit la boisson en mettant de l'eau. Donc, moi, j'ai fait décanter l'eau du robinet avec un soupçon de sel gris. Vous, si vous avez de l'eau de source, c'est 1 litre. Voilà. Et donc, maintenant, on verse l'eau dans la jarre. Et voilà, on prend spatule, en silicone, en bois, métal, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, et on mélange, tout simplement. Voilà, on mélange comme ça. Assez bien quand même, hein, parce qu'il faut qu'on aille chercher un peu, mais vraiment... que le sucre se dissout, que la levure de bière rentre bien en contact, voilà, avec tous les aliments. Et voilà. Je pense que là, c'est bon. Et pour terminer, on prend le torchon propre, un tissu, un torchon, ce que vous voulez, l'important c'est qu'il soit propre. On repose ce torchon-là sur la jarre. Et ensuite, on met l'élastique en caoutchouc juste, voilà, au niveau, enfin, pour faire un chapeau. Voilà. Alors ça permet à ce que l'air ne rentre pas. Mais il n'est pas non plus fermé hermétiquement parce qu'il faut quand même ça voyage, entre guillemets. Et ça, vous allez le placer dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des changements de température. C'est très important. La fermentation, mine de rien, elle a besoin à ce qu'on prenne soin d'elle. Voilà. C'est des aliments, c'est une boisson vivante. Du coup, il faut qu'on prenne soin d'elle. Et pour ma part, par exemple, je vais la mettre dans ma chambre, dans un endroit où je sais qu'il n'y aura pas le soleil, voilà, ou pas de changement de température, etc. Et elle sera là. On la laisse, on ne la touche pas. On la laisse comme ça pendant 24 heures au minimum, maximum 36 heures, mais vraiment grand maximum pour moi la première fois. Enfin, pour vous la première fois, maximum 36 heures, donc entre 24 et 36. Voilà. Lorsque vous aurez fait fermenter la boisson, vous allez le prendre chez vous. Il y a tout marqué normalement sur la recette que je vous ai envoyée, enfin que la MP vous a envoyée par mail. Vous allez prendre une bouteille avec un bouchon hermétique. Voilà. Vous allez prendre un entonnoir que vous placerez ici et un égouttoir à maille fine. Qu'on va placer là. Alors, après, il faudra que vous récupérez donc la jarre. Attention quand même à ne pas trop renverser par la suite. Donc, il faut un minimum de concentration à ce niveau-là. Donc, vous maintiendrez l'égouttoir,
vous prendrez la jarre, même si elle est lourde quand même. Donc, faites-vous aider à la limite, hein, si vous ne vous sentez pas sûr. Donc, soit vous la prenez et vous renversez le liquide. Donc, du coup, tous les aliments, ils vont rester ici. Il n'y aura que le liquide bien filtré, parce que la maille est fine. Donc, il n'y aura que le liquide bien filtré qui va aller dans la bouteille. Et après, le résultat, je vais vous montrer, parce que moi, je l'ai préparé, bien sûr. Voilà le résultat final. Voilà, une boisson. Et d'ailleurs, si, alors maintenant, j'espère que vous entendez bien, parce que là, je vais ouvrir la bouteille et normalement, on doit entendre un petit pchit. Voilà, ce pchit-là, en fait, c'est pas du tout inquiétant. Au contraire, ça veut dire que même si vous voyez des bulles là, des toutes petites bulles, c'est tout à fait normal. C'est la fermentation, c'est les probiotiques. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. Et donc, c'est là, au contraire, que vous vous rendez compte que ça a marché, en fait. Voilà. Alors, déjà, je vous fais entendre. Elisa, j'ai une petite question. Une fois qu'on a mis la boisson en bouteille, il faut encore attendre, je suppose, justement, pour qu'on ait ces bulles. Alors, oui, c'est une très bonne question, en fait, parce que une fois qu'elle est filtrée, qu'elle est comme ça, vous voyez, elle est comme ça dans la bouteille, les petites bulles, elles seront à peine visibles. Elles seront fines, mais vous devez quand même les voir. Après, plus, et là, la boisson, elle doit être placée de suite au frigo et elle doit être consommée sous 6 jours. Donc, maxi 6 jours. D'accord? Et ensuite, plus, en fait, c'est le froid qui va stopper la fermentation, si vous voulez. Donc, il y aura moins de fermentation due au froid parce que vous l'aurez placé au réfrigérateur. Ceci dit, ça continue très légèrement de fermenter. Du coup, vous verrez toujours plus des bulles et vous aurez toujours plus le goût prononcé cidreux, entre guillemets. Voilà. Pour que vous n'ayez pas peur, je vous le dis, voilà, pour que vous n'ayez pas peur, parce que bien sûr, si c'est la première fois que vous consommez ce genre de boisson, vous pouvez être surpris. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis même au niveau, si quelqu'un peut se poser la question, mais est-ce que ça va pas me faire mal si j'ai un problème de gastrite, etc. Pas du tout. C'est pas du tout acidifiant. Bien au contraire, c'est vraiment désaltérant, c'est régénérant. Donc, au contraire, si vous avez des pathologies, franchement, vous pouvez le voir parce que justement, en complément de votre, par exemple, thérapie médicale, etc., il n'y a aucune inter, comment dire, il n'y a pas de problème, voilà. Il ne va pas y avoir de problème si vous consommez ça et si vous avez, par exemple, des médicaments ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça reste quand même une boisson à base d'aliments, hein. N'ayez pas peur pour ça. Je préfère quand même. Merci, Elisa. J'ai une petite question de Francine qui demande s'il est possible d'utiliser une casserole ou un saladier au lieu du bocal dans la première phase. Non, parce que il faut qu'il y ait le torchon avec ce élastique en caoutchouc qui permet à ce que la fermentation puisse se faire dans des bonnes conditions. Et puis, sachez une chose, il vaut toujours mieux faire fermenter des produits, que ce soit les légumes ou les boissons, etc., dans du verre, voilà, pas du plastique. Parce que le plastique, mine de rien, même si c'est un plastique sans ci, sans là, mais au final, il y a quand même des particules qui vont être relâchées si l'aliment ou la boisson reste longtemps en contact avec le plastique. Donc, moi, je suis pas sûre, enfin, je suis pas convaincue du tout et j'aime pas ça, en fait, utiliser le plastique pour faire fermenter. Donc, moi, je dirais non. Honnêtement, merci. Si vous avez, voilà, en plus, honnêtement, si vous rentrez dans cette optique, dans cette dynamique de fabrication de boissons maison, franchement, c'est vite rentabilisé parce que ça, honnêtement, ça coûte, il me semble, 2-3 euros maxi, la bouteille en verre. Et voilà, pareil pour la jarre.
Donc, c'est un investissement, en fait, parce que si vous calculez toutes les boissons que vous achetez, même au magasin bio, ça coûte 3-4 euros la bouteille. Là, ça, c'est un investissement, au final, vite rentabilisé. Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. De rien. Alors là, je voulais juste Alors, on sur. écoute. J'espère que ça va sortir. Enfin, j'espère que vous l'entendiez. Alors, attendez, je me mets là. Peut-être que c'est au niveau de là. Ah, un tout petit peu quand même. Je ne sais pas si vous Je suis avez en entendu. entendu. Ah, ok, parfait. Alors, si ça fait ce bruit-là, c'est parfait. Voilà. Je pense qu'on a tout dit par rapport à la boisson. Si vous avez des questions, mais même après, ça va peut-être réfléchir. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à la NTE ensuite. Catherine ou Ariel me poseront toutes les questions et moi je vais vous écrire. Voilà, vous allez Tout à pouvoir. fait. Il ne faudra pas hésiter à nous faire savoir si vous avez toutes Voilà. des questions ou Tout pour à aller fait. plus loin. Exactement. Et alors, si vous voulez, on peut sortir les cannelloni. Très bien. Alors, honnêtement, je ne sais pas les vôtres. Alors, celui-là, on va l'enlever. Je ne sais pas les vôtres. Les miens, ils sont encore un peu mous, en fait. Vous avez des réponses par rapport à ça, Catherine, ou pas? Est-ce qu'ils trouvent que c'est encore mou ou pas? Non, j'ai pas de commentaire. D'accord. Parce que c'est pas grave, hein, du tout. C'est juste qu'on va essayer, même si c'est mou, mais la prochaine fois, laissez-les bien 30 minutes au réfrigérateur. Moi, je prends un plat gratin, là, un plat à la four. Voilà. Pardon. Donc, un plat à la four. Pour couper, voilà. À la limite, je vais récupérer ça pour pouvoir le couper. Ensuite, on essaye délicatement surtout pour ne pas casser notre beau travail. Voilà. Parfait. Voilà, vous voyez quand même. Oui, on voit. Non, non, on voit. Chacun chez soi aura son propre Ensuite, on va le couper à moitié. Oui, ça se coupe assez facilement. Ça va. Ça va. Honnêtement, ça se coupe assez facilement. Et ensuite, vous essayez. Alors, soit encore une fois, hein, si vous n'êtes pas sûr parce que vous avez peur de le casser, c'est pas bien grave. Vous attendez. De toute façon, vous êtes chez vous. Vous n'avez pas à faire vite. Vous pouvez le faire. Enfin, patienter encore au réfrigérateur, le sortir quand il sera vraiment bien solidifié. Dans mon cas, parce que je veux quand même vous le montrer, je vais essayer de le récupérer. Ouais, c'est. Ok. J'ai quand même réussi. Je déplace tranquillement, gentiment. Oui. Et je récupère. C'est parti. Hop! Voilà. Super. Donc là, le principe, c'est de le couper. J'ai vu si en deux ou en trois, en fonction du plat, et de le déposer dans le plat. C'est ça? Vais vous montrer, tout à fait. On ne fait pas des tranches, par exemple. On ne le coupe pas en tranches. On le laisse Non. entier. On le laisse comme ça.
Ah, c'est très joli. Waouh. Ouais, c'est vraiment joli au final, hein. Ça fait vraiment plat gastronomique, C'est... je trouve. Ça a l'air Donc, bon, en tout cas, c'est super. ouais. Ouais. On avait Très donc du joli. coup un long Il y a saucisson. Francine qui nous dit très joli. Ah, super, je suis contente que ça vous plaise. Alors maintenant, vous avez le choix entre, si vous, enfin, vous êtes dans une réduction de produits laitiers, eh bien, vous ne le mettrez pas, c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parsemer de Emmental au gruyère, donc de fromage râpé, et vous le placez, je pense, entre 10 et 15 minutes, grand grand maximum, à 180, pour pouvoir, d'une, le rendre chaud, et de deux, bien faire fondre le fromage. Donc, voilà, moi je prends du fromage Emmental râpé, tout simple. Après moi-même, je ne consomme pas beaucoup les produits laitiers de vache. Je suis plus, enfin, voilà, je ne suis pas trop fan des produits laitiers. C'est un autre sujet, mais en naturopathie, j'ai tendance plus à conseiller de réduire les produits laitiers et éventuellement de se faire plaisir de temps en temps, avec du fromage de chèvre ou de brebis, plutôt qu'avec des fromages à base de lait de vache. Mais par contre, je trouve que pour certaines recettes, comme voilà, par exemple les lasagnes avec du parmesan ou voilà les cannelloni avec du emmental, bon, ça me plaît, ça fait plaisir, donc je n'hésite pas, j'ai pas une intolérance, voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un qui consomme tous les jours ce genre de produit. Donc voilà, hein, tout simplement, on prend et hop, ça va finir sur le dessus des poireaux, des cannelloni. Et voilà. Bon, du coup, le côté esthétique, il y est un peu moins. Mais le goût, vous verrez, c'est bon. Voilà. Et voilà. Ah bah parfait. Voilà. Eh bien, Donc, merci beaucoup. C'est bien sympathique. voilà. Alors, du coup, nous avons réalisé aujourd'hui une magnifique recette anti-gaspillage zéro déchet. Donc, je suis très fière de vous déjà. Vous devez être très fière de vous aussi. Parce que le fait d'accepter aujourd'hui, voilà, d'aller plus loin, d'avoir des comportements, des attitudes plus responsables, ça a un impact important et très positif, ben, sur tout, sur l'environnement, sur la planète, sur, voilà, sur soi-même, etc., etc. Donc, pour certains, ce n'est pas du tout une évidence. Donc, le fait de partir dans cette dynamique-là, eh ben, moi je vous dis bravo, bravo d'avoir fait ce choix-là. Donc, merci d'avoir suivi cette recette. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous plaira aussi au niveau gustatif, bien sûr. Et voilà. Et pour la boisson, ben, j'espère aussi que ça vous plaira. Dans tous les cas, sachez que même si le goût vous paraîtra un peu étrange, sachez qu'elle est là pour vous faire du bien. Donc, n'ayez pas peur de la consommer. Bon, à moins que ça vous plaît vraiment pas, vous la donnez au voisin. Mais si ça vous plaît, tous les jours, 10 minutes avant le repas, eh bien, vous consommez un petit verre comme ça. Et là, vous prenez conscience que vous faites vraiment du bien à vous, tout court, tout simplement. Merci, merci à Elisa, vraiment un grand merci pour ces recettes, pour vos conseils, pour toutes les informations que vous nous avez communiquées. Je vois que Francine, pardon, nous a envoyé également un petit message pour nous dire bravo, et ainsi que Valéria et qui espère que l'expérience sera justement renouvelée. Donc Francine, Valéria, n'hésitez pas à prendre des photos, à nous les envoyer, à nous faire part de vos commentaires et voilà.
voilà, comme ça, on pourra renouveler l'expérience. Merci encore, Elisa. Et je vais mettre la vidéo donc sur le site de la. Nous mettrons la vidéo sur le site de la mission pour la transition et énergétique, qui pourra donc être vue autant de fois que possible. Parfait. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, donc à une prochaine fois. Et maintenant, voilà, il est temps de déguster ces bons plats. Oui, exactement. N'hésitez pas, voilà, hein, rappelez-vous, mettez-les au four avant de les consommer. Hein. Ah oui, non, c'est pas tout de suite alors, dans un petit quart d'heure, on va dire. Voilà, si le four est chaud, dans un quart d'heure. Bonne dégustation. Alors, le temps que ça part au four, non, c'est vrai. Vous, moi, je l'ai parce que j'avais déjà préparé le goût, elle est partie en fermentation, la boisson, donc non. Voilà, il faudra patienter jusqu'à. Ce sera demain. Demain après-midi, voilà. Voilà. Merci bien. Merci à la LDE. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Bonjour à tous, merci.